Et salut, c'est Sam. On se retrouve pour la manche, la quatrième manche du championnat de Formula One 2018 Azerbaïdjan. On se retrouve à Bakou donc pour une nouvelle épreuve. Donc je vous remets le classement actuel. Donc je suis 9e, juste derrière mon coéquipier. Donc on va partir. Je me suis qualifié et ben dernier. Ouais, très très dur ce circuit. Allez, on est parti pour 13 tours. On va essayer de se prendre un bon départ. Il faut vite que je me débarrasse de Magnussen. Bon, ce sera pas là. C'est du beau travail, on est en bonne position. Allez, double gauche à fond. Ici, freinage un petit peu délicat. On dévers la descente là. Et ici c'est pleine charge, double gauche-droite et la ligne droite. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des super tendres. Drapeau vert. Attention, ils ont fait sortir la voiture de sécurité. Attention au Delta. Il doit rester positif pendant que tu rejoins les autres. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Et bon, on va attendre. Je pense que tout le monde va rentrer au pit. Roule moins vite, notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. Sergio rentre au stand. Sergio s'arrête au stand. C'est bon, il est juste rentré. Fonce, fonce, tu reprends la course à la sortie.
coup, ils accélèrent. Allez, on les rattrape. Un peu le rythme. Il faut qu'on soit à moins de 10 longueurs de voiture de la monoplace qui nous précède. C'était chaud là. Prépare-toi à reprendre un rythme de course. La voiture de sécurité rentre sur ce tour. N'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à l'apparition du drapeau vert. Allez, là, le moteur est bridé. Je suis à fond, vous voyez. Ça va partir. Derrière, c'est à l'affût. Faut pas que je me loupe. Retour à la normale.
Ouais, il fait froid. Ouh là là. Ah oui. Alonso qui en profite. Reste concentré, il faut être dans les meilleures dispositions. Ouais, clairement que je suis déjà pas dans le rythme là. Ah, derrière ça va me doubler. La distance qui nous sépare de notre coéquipier est de 7,0 secondes. Ah, j'ai légèrement touché. Attention, attention. C'est bon, j'ai un petit peu de mou, un petit peu de liberté pour prendre mon virage un peu plus correctement, un peu plus librement, sans essayer de défendre. Ok, les commissaires viennent d'autoriser le DRS, DRS disponible. Que trop de carburant, passe au mélange 3 pour régler ça. Mélange 3. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 3,7 secondes.
Ah non, pas Magnussen. Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. Ne le lâche pas, il peut encore faire une erreur. Allez, le DRS, on va essayer de se reprendre Magnussen. Pour la 10e place, 8e tour. Voici l'écart avec notre coéquipier, 12,1 secondes. Beau travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art. Quelques infos à propos de Stroll, il rencontre des soucis mécaniques. Protéger à l'intérieur. L'écart avec le pilote de devant est de 5,0 secondes. Il nous reste 5 tours de carburant.
Ou il est un peu plus loin. Est-ce que ça va suffire? Je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas vu. Ouais, peut-être une pénalité, on verra bien. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Je suis obligé de soulager là avec mes ailerons. C'est plus prudent. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Notre retard sur la voiture de devant est de 10,5 secondes. Notre avance sur la voiture de derrière est de 7,7 secondes. De toute façon, je suis plus ou moins à ma place, compte tenu du classement général pour l'instant. 10e.
Yes, dixième. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Ce Grand Prix s'achève sur une très belle victoire. Les pilotes viennent récupérer leur trophée après ce formidable. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Si on vous demandait d'élire le pilote du jour, lequel choisiriez-vous, Nicolas Martin? Difficile à dire, mais je pense toujours 9e classement général. Il a vraiment un don pour gérer ses gommes à la perfection, et on l'a vu aujourd'hui. Nous passons à présent au constructeur. Mercedes creuse l'écart au sommet du classement. Et bien on se retrouve pour la prochaine manche, la 5e manche, au prochain Grand Prix. Venu à monter au classement. Après ce rush d'adrénaline, respirez, détendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui.